Nous sommes à l'Otakuton et c'est vraiment plaisant parce que ça fait 8 ans que je fais ça. Et maintenant, je suis tellement habitué que je connais maintenant toutes les gens qui sont en convention. Hey, hey les filles, salut! Fuck you, creep! Ah, je m'ennuie jamais. En présence des nouvelles acquisitions de Disney, c'est-à-dire Scott Summer et Malicia. Allô? Allô. Shit, je m'attendais vraiment à une autre voix, moi, là. Ça, c'est les effets spéciaux. C'est genre les sound effects qui mettent de l'effet pour, genre, baisser le dB. J'ai essayé de dire des termes audio, mais finalement, j'ai lamentablement échoué, moi, là. C'est les effets spéciaux de Disney qui rajoutent tout le temps. My God, ça doit être triste ta vie, là. Tu peux bien être mort dans X-Men 3. Alors, faites un cosplay d'une personne morte, à ce que je vois? Ouais. Est-ce que c'est très difficile côté coaching? Ouais. Très explicite dans ses explications, je trouve. Est-ce qu'il y a possibilité d'expérimenter ça avec vous? Ah, ben oui! Sérieux, ça change la vision des conventions? Qu'est-ce qui se passe? Non, attends! Attends! Arrêtez! Le cosplay n'est pas consentant, OK? Hey, je suis en présence du plus beau cosplay de Samus Aran. Sérieusement, t'as tout fait ça toi-même? Ouais. Écoute, on t'entend mal. Enlève ton casque. Enlève ton casque. Ah! OK, ben, là, sérieusement, c'est comme un Kinder Surprise, là. On vient de découvrir que c'est un beau jeune homme avec nous. Quoi qu'en même temps, en 2018, faut pas suer les jambes, mesdames et messieurs. Est-ce que c'est lourd comme armure? Non, c'est assez léger. Combien de livres, mettons, à peu près? 30, à peu près. 30 livres seulement? C'est comme une poche de patate. Fait que là, je te laisse recharger pour ta prochaine attaque. À chaque Otakuton, on a toujours un cosplay qui se surpasse des autres. Et aujourd'hui, mon choix personnel s'en va vers ce décor de Street Fighter. C'est débile, man. Souvent dans les conventions, on entend une petite voix intercom. On se demande, ben, où c'est que ça vient? On le sait pas. Eh bien, aujourd'hui, on a une occasion en or. J'ai l'opportunité d'aller parler à l'intercom lors de l'Otakuton afin de pouvoir faire la promotion de CyberCap, un organisme à but non lucratif qui va servir à faire un encan pour un certain événement pour amasser des fonds. Donc, on va faire ça aujourd'hui, puis je suis full excité. Donc, c'est ici que tous les messages de l'intercom se font à l'Otakuton, avec ce micro-là, qui est à côté de la récupération, de la poubelle, d'un autre bac de récupération, d'un vélo. Puis il y a les toilettes juste à côté aussi. Ah, le glamour. Et à la base, on m'avait demandé de faire une publicité en français, une annonce en français. Mais là, on vient de me dire à l'oreille qu'il va falloir que je le fasse aussi en anglais. Ça va bien aller. Je suis vraiment content, on l'a enfin terminé, on a fait cette annonce-là. Tous les profits iront directement à CyberCap, un organisme sans but lucratif. Cependant, ce qu'on m'a dit après l'enregistrement, c'est que finalement, le son n'était pas assez fort. Fait que personne ne m'a entendu presque. Oh, tu m'as entendu, toi? Toi, tu m'as entendu? Je t'ai entendu. J'étais comment? C'est très bien. Oh! Merci. Surtout le bout en anglais. Oui. Auction. Tu t'es vraiment amélioré avec ton anglais. Merci, hein? Ça fait quelque chose comme 3 ans là, que cette réputation-là de parler mal en anglais me suit. À un tel point que quand j'anime des mascarades et qu'on arrive dans la green room, il y a des gens qui font comme « Ouais, mon texte est en anglais, mais non, il n'y a pas question que toi tu le lises, par exemple! » Alors, bienvenue au karaoké live à l'Otakuton. Si vous connaissez la chanson, je vous encourage à chanter avec moi, OK? On est petit et gentil. Yeah! Et la plupart jure aussi. Et l'heure enfin est arrivée d'envahir votre télé. Yeah! On s'amuse, on fait rire, la censure, on la fait fuir. Les aventures des Tinitoons sont là pour vous ravir. On s'amuse. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Oh! Never gonna tell a lie and hurt you. Pokémon, attrapez-les. Tous. Semble pour la victoire. Je m'en rappelle pas du temps. Pokémon, rien.
s'arrêtera. Notre ami qui triomphera. C'est Minus et Cortex. Je sais pas les paroles. C'est Minus et Cortex. Je connais pas ces paroles. Cortex le génie, Minus l'abruti. Ouais. Leur obsession profonde, c'est conquérir le monde. Quel duo. Je sais pas. Minus et Cortex. Cortex, Cortex, ta-na-na-na-na. Un jour, un magicien qui faisait des dessins de petits... Je sais pas la suite. Chien entendit crier du fond de... Elle a dit c'est quoi? Je me souviens plus de cette partie-là. Il dit au magicien... J'ai faim. Bumbo, bumbo. Bon. Petite automobile, pile. Allô? Tu parais si fragile, Gilles. Je sais pas les paroles. Sous ton capot de thon. Allô? Bum, 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 bum. Everybody supersonic racing. Ta-na-na-na-ni. Fire on around. Même moi, je connais pas les paroles. Everybody supersonic racing. Alors, on est en présence de Matt, de David et de Rayon. Can you explain us what is the heart of samurai? What we practice at Sun Samurai Koryokan is Daitoryu Aiki Jiu-Jitsu. It's a form of Jiu-Jitsu, the art of the samurai of self-defense. We also practice Heiho Nitin Ishiryu, of the famous samurai Miyamoto Musashi. It's a style of two swords, long and short. He is the founder of this style. We also practice techniques of Bojutsu, the staff. So this is the art that we practice. We also practice the art of drawing the sword. Is it usual that you sit like that? Yes. I'm not used to be a samurai. Oh gosh. Oh, my legs. Rayon, can you disarm somebody the fastest way possible? Yes, he can show you. Ça fait pas longtemps que je te connais, Rayon, mais on dirait que j'ai peur tout d'un coup. I've heard that you scream after your attack. Yes, we do. Okay, does it mean something like you're dead or I don't play anymore? The scream is a martial shout. Okay. It's to scare the opponent. Okay, well, thank you very much for your time. Can we finish this interview with a goodbye to the audience? Donc c'était le spécial Luduc à l'Autochton. J'espère que vous avez...